Yop les gars, c'est Skyzer Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto comme promis. Je vais vous faire le tuto de comment, comment dire, installer une map sur Minecraft. Ce que c'est qu'une map en fait, c'est un monde que quelqu'un a créé et que bah, vous pouvez tout simplement ajouter à votre Minecraft. Bref, j'espère que le tuto va vous plaire et on va tout de suite commencer. Alors déjà vous allez ouvrir votre navigateur de recherche et vous allez vous rendre sur un des trois sites, un de ces trois sites, mapcraft.me, Minecraft France, hein, qu'on connaît déjà bien, ou alors Minecraft Maps, hein, je vous mets tous les liens dans la description. Pour Minecraft France, en fait, tout ce que vous allez faire, vous allez dans ressources, vous allez dans Maps, et là, vous choisissez les maps PVP, multijoueurs, solo, etc. Et pour le reste, c'est spécialement fait pour des maps. Alors, bah, du coup, vous choisissez vos petites maps, hein, j'ai déjà trouvé une petite map d'horreur, hein, sympathique, qui s'appelle O, ok. Du coup, une fois que vous avez trouvé votre map, bah vous êtes tout simplement cliqué sur télécharger. Ça se télécharge. Du coup, on attend que ça se télécharge, hein. Ça prend souvent pas trop de temps, voilà. Ensuite, vous pouvez réduire ça et vous allez, bah vous pouvez tout simplement fermer ceci. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez ouvrir votre Minecraft et vous allez configurer votre Minecraft de manière à ce que, et bah tout simplement, les mondes que vous avez chargés soient de la version de la map, c'est-à-dire que là ils disent que la map est en 1.15.2. Et ben si vous n'avez pas l'1.15.2, en gros, hop, vous allez dans configuration. Là il y a toutes les versions que vous avez déjà chargées. Vous allez dans nouveau. Vous pouvez choisir un logo, hein, les citrouilles, les gâteaux par exemple. Vous pouvez mettre un nom. Hein, je vais mettre LOL par exemple. Et là vous pouvez choisir la version de votre monde, du coup, bah, vous choisissez la version de la map. Moi, c'est 1.15.2. Du coup, une fois que vous avez ça, votre version, bah, vous allez charger Minecraft en 1.15.2. Et si, par exemple, vous avez la 1.16.1 et que la map en 1.16.1, et bah, tant mieux pour vous. Ça marchera quand même. Du coup, nous allons attendre que ce Minecraft se charge 1.15.2. Voilà, nous allons attendre. Du coup, Minecraft a chargé, vous chargez un monde solo. Du coup, tout ça, ce sont des mondes que j'ai chargés en 1.16.1. Du coup, bah, vous ne pourrez pas y jouer parce que c'est une version avancée. Vous allez créer un nouveau monde et vous allez mettre en nom le nom de votre map. Ainsi, pour ne pas vous y perdre, bah voilà, ça c'est le nom de la map. Vous mettez en survie comme vous voulez et vous juste créez un monde. Bah du coup, à tout de suite, hein, rendez-vous quand le monde sera créé. Oui, j'ai ce skin parce qu'en fait, vous voyez mon ancien skin, bah tout simplement, bah je l'ai supprimé sans faire exprès. Oui, je suis un boulet. Et bien sûr, bah je n'avais pas, enfin j'avais pas gardé le skin dans mon Finder. Du coup, bah voilà, rip, hein, je ne peux plus le récupérer. Bon, c'est pas grave, hein, ce skin il est très bien aussi, hein, il est très cool. Du coup, vous allez charger votre monde, c'est très bien. Vous pouvez quitter le monde et quitter Minecraft même. Hop. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous voyez ici, il y a le logo Apple, Finder, Fichier, Édition, Présentation, Allée, Fenêtre et Aide. Vous dirigez vers Allée, hop. Ensuite, vous appuyez sur la touche Option de votre clavier. Hop, vous allez dans Bibliothèque. Ensuite, Application Support. Ensuite, Minecraft. Et ensuite, vous allez dans Saves, que vous avez normalement. Et là, vous avez tous les mondes que vous avez créés sur Minecraft. Du coup, vous trouvez le monde que vous avez créé du nom de la map, hein, moi c'est O. Voilà. Ça, vous n'y touchez pas. Touchez à rien. Vous pouvez, hop, réduire cette page. Ensuite, vous allez récupérer votre map. Hop, affiché dans le Finder, vous allez l'ouvrir, ce qui va créer un dossier que vous avez juste ici. Alors j'en avais déjà créé un, lui on peut le mettre à la poubelle et que vous pouvez renommer hein, si vous voulez. Hein. Moi je vais juste l'appeler O tout court. Ce dossier, bah vous allez l'ouvrir encore une fois et vous avez tout ça dans ce dossier. Bah vous allez tout copier, hop, copier tous les éléments. Vous pouvez fermer cette page. Et ensuite, vous rendez dans ce que vous avez réduit, du coup dans le monde O qui se trouvait dans les saves. Vous avez tout ça, et ben vous allez faire clic droit, coller 15 éléments. Moi c'est 15, mais pour vous ça pourrait être 10, 8, 20, etc. Coller.
Et là, ils vont vous demander ceci. Ben, à chaque fois, dès que vous voyez remplacer, vous cliquez dessus. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ça. Du coup, remplacer, 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 et remplacer, remplacer. Et maintenant, votre monde a complètement été changé. Du coup, vous pouvez, hop, relancer Minecraft, bien sûr en moi en 1.15.2, hein, et voyez que votre monde a complètement été changé. Mode aventure, commande, version 1.15.2, oh, voilà, etc. Du coup, bah, voilà, vous voyez, il y a la vignette qui s'est changée en oh. Vous pouvez charger le monde, hop, ça charge. Entrer dans le monde. Vous allez voir qu'on sera plus sur notre petit bloc d'herbe et tout, non. On sera dans une espèce de grand manoir avec des inspris. Hein, voilà. Vous voyez qu'on n'est plus du tout sur notre petite île, hein. Hein, c'est très bien fait. If you read this, you're good to go. Si tu lis ça, si tu peux lire ça, ça veut dire que tu es bon pour partir. Bref, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a plu, hein, qu'il vous a pas mal aidé. Du coup, vous pouvez télécharger maintenant les maps que vous voulez. Et bien sûr, peut-être que je ferai des vidéos sur des maps parc d'attractions ou alors sur cette map horreur qui m'a l'air franchement pas mal. En tout cas, voilà, allez voir la chaîne de Slim. Slim 41, il me semble, dans la description. C'est de lui que je me suis inspiré. Et si vous voulez savoir où j'ai trouvé mon skin, comme d'habitude, c'est sur Minecraft France. Et bien sûr, tous les liens des sites pour télécharger des maps dont je vous ai parlé au début, ils sont dans la description. Et bien, tout simplement, moi, je vous dis ciao, 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 ciao.